the common modalités de gouvernance pour manager resources en empirisch et d'autres méthodes de plus personnes. De bien commun chaque fois qu'une communauté de personnes est unie par le même désir de prendre en charge une ressource dont elle hérite ou qu'elle crée et qu'elle s'auto-organise de manière démocratique, conviviale et responsable pour en assurer l'accès, l'usage et la pérennité dans l'intérêt général et le souci du bien vivre ensemble, du bien vivre ensemble et du bien vivre des générations à venir. Il y a un bien commun, il y a une ressource là, une rivière, on va faire quelque chose. En fait, un bien commun, c'est à la fois la ressource, à la fois une communauté qui se mobilise et s'organise autour de la ressource, et une communauté qui se donne des règles aussi pour le faire. C'est quelque chose qui est à la fois comme une philosophie, mais c'est aussi des pratiques sociales très très concrètes. L'idée des biens communs, est-ce que ça nourrit votre pratique? Puis est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui nous interconnecte? Depuis plusieurs années, ce que je constate, c'est que les jeunes au Québec ont une vision très négative du fleuve. Quand on leur fait dessiner, par exemple, ce qu'ils pensent qu'il y a dans le fleuve Saint-Laurent, c'est fabuleux là, de regarder les dessins d'enfants. Là. J'en ai des centaines à l'appui. Le top 5 qu'on voit dans le fond de l'eau, c'est les skidoo, les squelettes, les barils de BPC, des seringues, puis des pneus. Donc, c'est ce que la jeunesse pense qu'il y a dans notre fleuve. Or, il y a un travail immense à faire. C'est important parce que, en fait, c'est pas de la mauvaise volonté quand on abîme le fleuve, c'est tout simplement qu'on sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Dans la réalité, en fait, le fleuve, il est surtout magnifique. Il faut capitaliser là-dessus, il y a de l'amélioration à faire, j'en conviens. Là. Pour Marie, c'est un organisme non lucratif qui fait l'éducation relative à l'environnement, mais d'un point de vue plus appliqué, pas théorique. On essaie de sortir de la théorie, de recréer un attachement envers le fleuve. Salut, je m'appelle Simon Paquin, fondateur d'Écomaris. Ma job dans la vie, c'est de donner de la liberté. Le fleuve, d'abord, c'est surtout un terrain de jeu où il y a beaucoup de liberté, beaucoup de choses à faire. C'est long, c'est grand, c'est vaste, super beau, sauvage. C'est comme un autre pays, en fait. C'est un terrain de jeu dans le sens où c'est que ça brasse. C'est quand même rock'n'roll, le fleuve. Là. Il y a du vent contre marée. Des fois, c'est un cheval sauvage, un peu, à apprivoiser, qui n'est pas donné à tout le monde, mais c'est ça qui le rend intéressant aussi. Le projet n'était pas touristique, mais le tourisme répond d'une certaine façon à notre besoin d'en faire la promotion, de rejoindre du monde. On peut faire du tourisme intelligent. Puis touriste, ça veut pas dire amener des millions de personnes puis d'exproprier des phoques pour construire une jetée en béton. C'est pas ça que ça veut dire. Fait que c'est du tourisme où il y a une plus-value, dans notre cas, qui est environnementale, où les gens apprennent, ils visitent. Oui, ils découvrent Baie-Comeau, ils découvrent cette île, ils découvrent Matane, Rimouski. Mais en plus, ils apprennent des choses. Donc, ils apprennent à naviguer, ils apprennent sur l'environnement, ils apprennent sur eux-mêmes, ils apprennent à travailler en équipe. Fait que, on le casse comme du tourisme d'apprentissage aussi.
une partie du rêve, c'était les jeunes. Là, ils arrivent avec leur attitude, leur sac. Puis là, ils se rendent compte qu'ils connaissent rien pantoute. Ils savent pas le nom d'une corde. Ils savent pas, ils comprennent pas pourquoi que ça bouge. Ils ont quasiment le mal de mer. On est taqués, tu sais. Puis tout de suite, ils t'écoutent. Ils te regardent différemment parce que tu es une autorité nouvelle qui leur présente quelque chose, un monde auquel ils n'ont aucune idée, tu sais. Fait que, imagine quand t'es en mer. Les jeunes, ils sentent que t'es là pour les aider, pour leur apprendre des choses, tu sais. Fait que, ils l'apprécient, puis ils te respectent pour ça, parce que t'es traité d'égal à égal, puis sur un bateau, l'égalité est là. Pour ça, je me suis rendu compte en naviguant au fil des ans avec différentes personnes que des adultes aussi pouvaient bénéficier grandement d'un apprentissage sur un bateau. Fait que c'est vraiment un laboratoire humain pour développer des forces humaines. Et c'est un moyen de découverte du fleuve Saint-Laurent. C'est un plan d'eau qui fait partie de notre histoire. C'est de là qu'on vient. Pour moi, il y a comme un attachement au territoire. Dans les années 30, 40, 50, il y avait la construction de goélettes sur le fleuve. Il n'y en a plus. Tu sais, les chantiers sont fermés. Puis, il n'y a plus d'accès au fleuve. Les gens ont tourné le dos au fleuve. Et on voudrait justement faire la promotion de tout ce qui englobe le fleuve, de tout ce qui entoure le fleuve, pour que les gens se le réapproprient. En psychoéducation, on dit, tu sais, c'est le lien d'attachement qui va créer une relation significative avec ton thérapeute ou ta personne aidante. Bien, la même façon, le fleuve, pour le protéger, il faut l'aimer, puis pour l'aimer, il faut le connaître. Puis pour le connaître, bien, il faut naviguer. Ce bateau-là, moi, j'aimerais dire qu'il devienne un bien commun, d'une certaine façon. Une espèce de démocratisation du fleuve à travers la navigation. Puis ici, bien, au Québec, c'est le fleuve parce que tout passe par le fleuve pour nous, dans notre histoire, notre culture, l'économie, bien, notre eau qu'on boit. Fait que c'est, pour moi, c'est comme évident que s'il faut commencer à quelque part avec lequel moi je peux m'identifier, ça va être le fleuve en tant que Québécoise. Pour moi, le bien commun, ça appartient à personne, ça appartient à tout le monde en même temps. Alors, développement durable, souvent, on va dire, mais c'est les services que la nature nous rend, ou ça va être ce qu'on emprunte à la génération suivante, des choses comme ça. Alors, fait que pour moi, c'est très philosophique, le bien commun. C'est un détachement par rapport à l'attachement qu'on a créé face au bien physique dans lequel on évolue tous. Les questions de l'eau, c'est un peu ça qui m'a mené vers le développement durable dans ma carrière. Je pense que le fleuve, c'est un exemple très, très, très important. Je suis content, Théo, que tu l'aies nommé philosophie parce que je le cherchais le mot, puis là, je pense que ça en est un bon. Ce qui s'inscrit justement dans un paradigme qui est plus large, dans une autre façon de voir nos interactions entre humains, mais nos interactions aussi avec l'environnement naturel. Je pense que ce sens-là serait approprié et hyper important aujourd'hui. La formation que j'ai faite, c'était justement de faire attention à tout ce qui pouvait altérer l'environnement. Dans le sens où altérer l'environnement, ben, ça avait un impact direct sur les êtres vivants, quel qu'il soit d'ailleurs. Dans ma conception de l'être humain, moi je le vois beaucoup comme de passage sur Terre. On passe et là on est entouré de beauté, on est entouré d'une superbe nature. Un mot, la Fondation a une grande campagne qui s'appelle « Adopter une rivière ». Cette campagne-là, on veut créer le sentiment d'appartenance chez les gens envers les rivières, mais sans nécessairement dire que nous en sommes propriétaires. Je suis Alain Saladius, vice-président de la Fondation Rivière et cofondateur avec Roy Dupuis et Michel Gauthier. À la Fondation Rivière, on a développé une expertise puis des connaissances là, depuis 10 ans sur chacune des rivières là, où il y a eu des problèmes. Puis toutes ces connaissances-là, on veut les diffuser ou les transmettre à tous les comités de citoyens qu'on veut créer avec le programme d'adopter une rivière. Nous, on vient en support auprès d'eux là, pour leur donner des conseils, que ce soit technique, économique ou stratégique, politique. Ben, je m'appelle Roy Dupuis, comédien, mais aussi président de la Fondation Rivière. Adopter une rivière, c'est assez simple. C'est des gens qui décident d'adopter une rivière quelconque, soit une rivière de leur enfance, soit une rivière près de laquelle ils habitent. À travers la Fondation, le parrain est tenu au courant. Ben, ça aide à financer la Fondation Rivière, donc ça donne plus d'armes, plus de poids pour qu'on puisse protéger ces rivières-là. Aujourd'hui, on va rencontrer un groupe de citoyens qui s'est mobilisé pour protéger la rivière du Nord contre la pollution en amont principalement, puis protéger le lac Raymond. Notre mission d'éducation, oui, on fait l'éducation, mais quand on commence à éduquer les gens, bien là, les gens s'en perçoivent des problèmes, puis là, ils veulent agir, puis là, il faut qu'on reste présent. Puis nous, le téléphone sonne tout le temps, puis là, bien, il faut faire des choix. C'est des menaces qui reviennent toujours, là, que ce soit des barrages ou
des industries qui peuvent s'implanter. Il faut toujours être vigilant. Mais maintenant, on veut s'orienter vers la qualité de l'eau davantage. Donc, on veut travailler à identifier toutes ces sources-là. Mais on veut le faire en collaboration avec des comités de citoyens. C'est déjà des gens qui sont mobilisés pour la protection des rivières. Je suis président de l'Association de protection de l'environnement du lac Raymond et de la rivière du Nord. L'association a été fondée en 1974 pour protéger le lac Raymond et la rivière du Nord contre toute pollution, contre toute chose qui peuvent détériorer la qualité des eaux de cette magnifique rivière qui est au nord de Montréal. Et je suis dans le développement durable depuis 25 ans et plus, et ça me touche énormément. Quand je faisais mes études à Polytechnique, ou au milieu des années, début des années 70, on parlait à l'époque, pas d'environnement, on parlait d'écologie. Mais on ne mettait jamais un coup sur ce qu'on appelle aujourd'hui les externalités environnementales négatives d'un procédé de fabrication. Puis je trouvais ça de valeur et j'en ai fait une orientation dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Alors moi, j'ai pour mon dire, après 25 ans, je suis dans et plus dans le développement durable, que oui, investir dans l'économie verte, c'est rentable. Les gens disent non, c'est un coût, non. C'est un investissement pour la société, puis c'est un investissement pour des retombées économiques positives à tout point de vue. On est rendu qu'on exploite les ressources à une rapidité assez incroyable, des fois inutilement. On est rendu à un point où il faut prendre nos responsabilités, où il y a du ménage à faire. Pour moi, il n'y a rien de plus représentatif que l'eau pour représenter la vie. L'environnement nous appartient à tous et on le partage. Puis tout le monde a des souvenirs, un attachement, que ce soit culturel ou les paysages, la beauté des paysages. Juste de donner accès à ces beaux endroits-là, des endroits de qualité où c'est pas contaminé, les gens vont développer un attachement de plus en plus fort puis vont tenir à ces endroits-là. Parce que ça appartient à tout le monde, personne ne s'en occupe. Il n'y a pas le droit de l'homme à un droit de vivre dans un endroit qui est propre. Ce n'est pas dans la Charte des Nations Unies. Alors, il faut arriver à mettre un prix sur un bien commun de manière à ce qu'on puisse calculer le coût des externalités économiques. Et à ce moment-là, en mettant un prix, les décisions d'investissement vont être hautes et ils vont être plus en protection pour l'environnement. On est tous, quelque part, l'être humain, un homo economicus. Quand ça atteint notre poche, on fait plus attention. Pour avoir des politiques où on mettrait un prix sur le bien commun, il faut des politiciens convaincus, compétents, puis qui veulent. Puis on va avoir ces politiciens-là. Si le peuple en arrière dit aux politiciens, c'est ça qu'on veut. Donc, il faut convaincre le peuple. J'ai produit un film qui s'appelle « Chercher le courant » sur la rivière Romaine, qui a eu beaucoup d'impact au Québec. En tout cas, le peuple s'est vraiment comme approprié ce film-là. Et puis, ça nous a amené à penser faire une traversée du fleuve pour faire un état des lieux. Nous, on vient de faire une pré-recherche pour ce projet-là, puis on est un petit peu alarmés. On va aussi dans le même sens que vous, de créer l'attachement. On n'évoque pas assez souvent, je trouve, le fait qu'on en est responsable. On travaille avec les jeunes en art, dans les écoles. Maintenant, on a 2000 jeunes cette année qui vont participer au projet. On travaille sur les espèces qui vivent dans le fleuve, dans le lac Saint-Louis, et on le mélange à qui ils sont, eux. On va faire un mouvement qui défend les ruisseaux, puis on veut les dépolluer. L'art, c'est vraiment lié ici aux politiques. Parce qu'il y a beaucoup d'art contemporain et beaucoup de groupes écologistes qui critiquent de l'extérieur. Et moi, je dis, ben, rentrons à l'intérieur du système, collaborons avec le système pour avoir des résultats. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Disons que 90% des Montréalais sont éloignés de l'eau. Et donc, on l'oublie, on ne sait pas qu'on est sur une île. Il y en avait peut-être quelques dizaines, disons, au moins
quatre ou cinq rivières, plus de ruisseaux. Plus affluents, oui. En tout cas, un versant assez. Ouais. Des lacs. Et c'était plein. C'est ce que j'appelais un Amsterdam refoulé. Ces rivières sont encore là. Les sources sont là. Je suis Lamberto Tassinari, j'habite Montréal depuis 1981, je viens d'Italie. Donc l'eau de Montréal, en effet, c'est caché, c'est une richesse cachée. La ville ne s'est pas développée sur l'eau, contrairement à d'autres, probablement à cause de la grandeur du fleuve. D'habitude, ça arrive quand il est divisé, donc comme la rivière des Prairies, qui est la plus petite, donc on va sur un parc. Il faut apprivoiser cette fleuve qui est trop grand. Ici, ont été cimentées, ont été bétonnées les rives de la ville. Et puis, les ports ont été comme le lieu d'importance économique. Donc, tout a été éloigné des citoyens. C'est la révolution industrielle, 1834, me semble, que la rivière Saint-Pierre a été transformée en égout. Et ça a été l'essor de tous les autres. Plusieurs d'autres rivières et cours d'eau qui ont été utilisés, ils ont été enfouis, enterrés. Et il y avait de l'eau partout. Ils n'ont pas laissé juste même un ruisseau, là, juste pour comme exemple. Et il y avait des ponts, il y avait des choses. C'était une ville, vraiment une ville d'eau. J'avais lancé cette idée qui n'a pas trouvé beaucoup d'écoute. Il faut faire entrer l'eau à Montréal. J'avais appelé ça le canal imaginaire parce que c'était réunir les deux courants qui se séparent en créant l'île de Montréal, en faisant courir à travers Montréal de l'eau de Rivière des Prairies au Vieux-Port. C'est aussi un réseau de fontaines. Disons, chaque fontaine serait l'occasion de monter un petit coin d'histoire, si vous voulez. Une bonne partie des cours d'eau, comme est imaginable, descendaient du Mont-Royal, de cette montagne. Et ils sont encore là. Je pense que Montréal a perdu quelque chose. Il s'agit de réintroduire l'eau d'une façon plus que symbolique, mais pas excessive. C'est sûr que l'eau est un bénéfice, même au-delà de son utilité. C'est un bénéfice esthétique, psychologique, je veux dire, il y a une utilité, si vous voulez, abstraite, mais qui s'y traduit dans un plaisir et donc dans un bien-être pour les gens qui vivent en ville. S'il y avait un projet qui développe ces retours des eaux perdues, moi je pense que ça changerait la vocation de l'île. Ça serait une manifestation d'un véritable bien commun. Mais il manque l'audace. Il n'y a pas d'audace. Et il n'y a pas de grands projets vraiment. Et ça pourrait être. Ça pourrait donner vraiment un élan, rouvrir des espoirs. Le bien commun, c'est le partage. Pour moi, tout ce qui est. Peut être partagé, doit être partagé. Donc, de quelle sorte de créativité nous avons besoin pour accoucher de ces nouveaux systèmes où le partage est possible, où la propriété est encore existante dans une forme à définir. Le bien commun, c'est une question de partage. Et disons, de traiter le bien commun comme on traiterait la propriété privée. Si on revient un petit peu au fleuve, qui est un peu ce qui nous unit aujourd'hui, je sens beaucoup de contradictions en lien avec ce grand cours d'eau-là. Et puis, on vit sur une île, on est entouré d'eau, on est plus proche de l'eau qu'on pense, mais on va dans les Laurentides, dans les cantons de l'Est pour aller sur le bord d'un lac, alors qu'on va conduire moins loin, on va faire moins de kilomètres pour aller sur le bord du fleuve chez nous. Toutes les discussions qui ont lieu avec le 375e anniversaire de Montréal qui s'en vient bientôt, l'une des grandes conclusions de ces consultations-là, ça a été on veut mettre le fleuve au centre de Montréal. On veut que ça devienne la richesse la plus intéressante ou le lien qui devrait nous unir tous et les célébrations, tout ce qu'on devrait faire
autour des célébrations du 375e devrait être fait en lien avec le fleuve. Alors, il y a une conscience quand même au niveau de la société civile autour de Montréal, comme quoi c'est l'élément qui nous rassemble tous, mais on dirait qu'on ne sait pas comment faire ou comment agir. On est l'un des 13 comités ZIP au Québec dont la mission est de justement redonner le fleuve à la population montréalaise. Et notre projet phare, c'est vraiment la route bleue du Grand Montréal. C'est une voie navigable pour les petites embarcations en propulsion humaine, donc canot, kayak, rabaska, jumelés à des sites d'arrêt en rive. Accès qui sont parfois connus des citoyens qui vivent directement à côté, mais qui sont beaucoup moins de ceux qui vivent dans des quartiers un peu plus éloignés. Et on s'est rendu compte qu'on avait quand même, on n'a pas beaucoup d'accès, mais on en a quand même un nombre appréciable qui valent la peine d'être découvert. Pour que les gens aient envie de protéger le fleuve, de s'en préoccuper, bien, il faut qu'ils fréquentent, il faut qu'ils entrent en contact avec le fleuve, il faut qu'ils créent un nouveau lien avec ce fleuve-là. Et on s'est dit, bien, ça peut passer par des activités récréatives de contact direct avec l'eau. Pour moi, c'est une chose qui ne demande rien, qui ne demande pas d'être célèbre ou d'être reconnu ou d'être même reconnu, mais pourtant, il est à la base de tout. Il coule à travers tout. Il vient, il nourrit et il repart dans son état propre, on espère propre en tout cas. L'eau est très difficile à contenir à long terme. Elle va s'évaporer, elle va couler, elle va trouver une façon, elle va se forger des fissures et elle va se répandre. De cette même façon, le bien commun peut se répandre un peu comme l'eau et puis enrichir tout le monde sans rien nécessairement demander. Il faut que ça coule, comme on dit dans les arts et dans la vie. Donc pour moi, c'est très important de couler comme l'eau fait, de suivre son exemple. Veux pas, ça fait partie de mon identité. Fait que quand tu coupes un terrain, une parcelle de bois, ben c'est comme si tu coupais quelque chose sur lequel je m'identifiais. Puis je pense qu'il y a de plus en plus... Surtout en ville, on perd cette connexion-là, on n'a plus ça. Moi, je pense que ça a beaucoup, beaucoup sorti ce matin, justement, cet aspect-là de l'émotion. Là. Puis je pense que ça l'affection. L'affection, l'identité. C'était des mots très forts. Que lorsqu'on leur en parle, ou qu'il y ait des positionnements politiques ou autres à avoir sur le fleuve, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est à côté de chez vous, mais on ne le connaît pas vraiment. Il y a tout un système de valeurs qui est lié au bien commun, qui est le partage, la collaboration, la co-création, etc. Et donc, si on définit le bien commun, on est obligé de parler à la fois de la ressource, de la communauté et de la gouvernance, disons, de ce bien commun. Thank you.